Bonjour à tous, Laurent du Suaps de Reims. On se retrouve pour une dernière vidéo dans le cadre des vidéos à domicile et du confinement. Effectivement, le service se termine très bientôt, on arrive fin mai. Mais vous pourrez retrouver toutes nos vidéos de toute façon au cours du mois de juin. On rediffusera ce qui a été fait et peut-être des petites nouveautés, on verra bien. Mais en tout cas, un petit peu moins de vidéos à partir de la semaine prochaine. Donc pour cette dernière, j'ai décidé effectivement de travailler davantage sur les abdominaux, essayer de vous donner aussi des petites indications, comprendre comment fonctionnent les abdominaux, de manière à les travailler correctement, en évitant aussi que ça provoque des douleurs. Alors premier point important, pourquoi travailler les abdominaux? Effectivement, ce sont les muscles de la sangle abdominale. Vous allez voir que ce sont les abdos, mais effectivement, on en a aussi sur la partie postérieure. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on considère que c'est un petit peu comme le haubanage d'un mât de bateau. Le principe, c'est que vous avez effectivement votre rachis, votre colonne vertébrale. Et bien, effectivement, pour qu'elle puisse tenir dans un sens comme dans l'autre, vous avez un ensemble de muscles qui sont de part et d'autre de cette colonne. D'accord? Donc, effectivement, une fois qu'on a compris ça, il faut éviter de travailler uniquement les abdominaux dans un seul sens, mais plutôt essayer de renforcer toute la sangle abdominale et solliciter les muscles qui soient aussi bien les muscles profonds. Hein, donc il s'agit plutôt du transverse. On a aussi une partie des obliques qui est plutôt au fond. On a également un peu plus en partie postérieure le carré des lombes qui maintient aussi cette sangle abdominale. Et puis on a des muscles un peu plus superficiels. Voilà, c'est ce qui donne les carrés de chocolat. Même si ces carrés de chocolat, tout le monde les a, le problème, c'est ce qu'il y a au-dessus des carrés de chocolat. Et là, ça fait plus appel effectivement à de la graisse. Donc, si vous voulez les voir apparaître, bah, effectivement, il faut faire un petit peu de carré. Donc, une fois qu'effectivement, on a vu qu'il y avait ce grand droit de manière superficielle, le transverse de manière un petit peu plus profond, les obliques et carrés des lombes, on verra aussi, je vous donnerai quelques exercices pour les travailler tous et de manière différente. Pour comprendre encore un petit peu mieux le fonctionnement des abdominaux, j'ai récupéré ces images qui vous permettent de visualiser correctement l'insertion et la manière dont ça fonctionne. Donc déjà avec les carrés des lombes sur la partie postérieure de la colonne, qui s'insère aussi au niveau de la crête iliaque. Et puis petit à petit aussi, on voit, hein, là ça va tourner, sur le transverse, donc les muscles profonds qui englobent toute la partie viscérale au niveau du ventre, effectivement, qui sont les muscles qui s'insèrent sous les côtes, et en bas au niveau du pubis. Le tout est recouvert par une couche de muscles abdominaux qui sont plus superficiels, qui, en fin de compte, est le droit de l'abdomen. Et on termine avec les obliques, qui eux sont insérés au niveau des côtes et qui permettent toutes ces actions de rotation. C'est comme tout travail de musculation un petit peu spécifique. Le principe, c'est d'apporter de la variété. Si vous voulez progresser sur les abdominaux, ne faites jamais les mêmes exercices au même moment et de la même manière. C'est effectivement un frein au progrès, ce qui permet de progresser et de développer musculairement ou de se tonifier aussi, ça dépend aussi de nos objectifs, c'est d'apporter de la variété. Variété dans les mouvements, mais variété, on verra aussi dans les contractions. D'accord, donc je vous montrerai. Effectivement, on peut travailler aussi bien, mais ça, on en avait déjà un peu discuté sur certaines vidéos, qu'on peut travailler de manière dynamique avec des mouvements, hein, s'ils sont bien maîtrisés, bien contrôlés, je vous donnerai des petits principes de sécurité. Mais aussi, on peut travailler de manière statique, hein, c'est tout ce qui est en lien au gainage. Mais le gainage peut se faire sous différentes postures. Alors, en outre, à part la variété, effectivement, le principe, c'est un principe de travailler en équilibre. Équilibre pour éviter les déséquilibres, justement, musculaires qui peuvent provoquer des douleurs. Douleurs souvent dans le bas du dos, parce qu'il y a trop ou pas assez de muscles. Si vous voyez que vos douleurs sont chroniques et reviennent de manière régulière, n'hésitez pas à consulter médecin et kiné. D'accord, on n'est que les enseignants de PS. Donc, on peut vous donner des principes, des conseils, mais dès que la douleur s'installe, il faut aller consulter. Effectivement, principe d'équilibre et de déséquilibre à éviter. L'idée, c'est de travailler muscle agoniste, antagoniste. Ça, c'est très important. Dès qu'on va solliciter un muscle et renforcer devant, très logiquement, pour éviter que ce déséquilibre s'installe, il faut penser à travailler sur la partie postérieure. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le montrerai, à alterner d'un travail d'abdos avec un travail de gainage ou un petit travail sur les lombaires. Alors, on va démarrer avec le premier exercice, l'exercice le plus habituel, c'est un exercice de relever le buste, d'accord, où on est en position allongée. Le principe,
effectivement, c'est de le faire avec le rythme que je lui ai donné. Je vais essayer de varier à la fois le rythme, à la fois le nombre de répétitions. Vous verrez, on va faire du dynamique, du statique et aussi de l'explosif. Donc sur ces trois modes de contraction, effectivement, on va travailler un petit peu sur le muscle le plus superficiel, c'est le grand droit. On verra après que le transverse se travaille. C'est un muscle profond, donc il se travaille davantage sur les positions en statique. Attention sur ces exercices effectivement de relevé de buste, les recommandations d'un point de vue sécuritaire, c'est effectivement, vous avez tendance à pousser les viscères vers le fond au niveau du ce qu'on appelle le plancher pelvien. Donc il faut une contraction assez forte aussi au niveau du périnée. Donc la première des choses à faire, hein, c'est qu'on va démarrer cet exercice, effectivement, relever les genoux, maintenir bien ici, et surtout verrouiller ce que vous avez ici entre les fesses, c'est-à-dire le périnée, pour éviter qu'il soit relâché. D'accord? Donc contraction du périnée, et à partir de là, pour éviter de tirer sur la nuque, on va croiser plutôt les mains au niveau des épaules et amener une rotation vers le haut. On est sur un relevé de buste très léger, de manière à contracter uniquement effectivement ici le haut. Le deuxième risque que peut engendrer ce genre d'exercice, c'est qu'effectivement, le fait de contracter le grand droit va appuyer sur les viscères et on va s'appuyer sur les vertèbres lombaires, ce qui n'est pas très agréable. Donc ça n'a rien de remonter de manière trop excessive. Parce qu'effectivement, cet exercice-là, on remonte trop loin, aura une tendance effectivement à appuyer sur le bas du dos, appuyer sur les lombaires, ce qui n'est pas nécessaire. On va travailler le grand droit en deux temps. Un premier temps, effectivement, ici, on va remonter toute petite flexion. On va le faire ensemble. C'est parti. Allez, sur une série de 30 secondes, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Je ne remonte pas trop au niveau du buste. Les genoux sont fixés sans croiser les pieds. Les pieds bien décroisés. 6, 7, 8, 9, 10. À la 10e répétition, on va bloquer sur 10 secondes en position haute au niveau du buste. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 10 dernières avec un petit peu plus d'explosivité. 1, 2, 3, 4. Si vous débutez sur les abdominaux, soyez déjà sur une contraction en montée et en descente. Évitez d'être sur la phase explosive. On va garder ça pour ceux qui ont un petit peu plus d'entraînement. Toujours pareil, rotation. On évite de se relever brusquement pour éviter de creuser, effectivement, creuser dans l'autre sens, pardon, creuser ici, dans le bas du dos. Donc, je vous laisse répéter l'exercice, effectivement, de relevé de buste. Autant que vous voulez, sur un principe simple, 30 secondes de travail, 30 secondes d'effort. Si vous voulez un petit peu plus taper dedans, n'hésitez pas à faire 45 secondes et 15 secondes de pause. Variez le nombre de séries de 1 à 5 selon aussi vos capacités. Et veillez surtout bien, 1, à verrouiller votre périnée au fond, 2, à éviter de relever de manière excessive au niveau du buste. L'important, c'est de travailler effectivement sur le haut des abdos. Alors maintenant, effectivement, ce que je vous proposais, c'est un exercice qui va travailler le bas des abdos. Mais on travaille toujours sur des mouvements dynamiques, ça veut dire qu'on va travailler toujours sur le grand droit. On arrivera après sur les obliques et les transverses. Effectivement, la première chose importante, c'est de bien plaquer le bas du dos. C'est-à-dire qu'ici, je ne dois pas pouvoir pousser la main. Vous avez ce qu'on appelle une lordose lombaire, c'est-à-dire un creux lombaire qui est naturel. Et si on voit que j'arrive à passer la main dessous, et bien effectivement, ce qu'on voit, c'est basculer au niveau du bassin pour qu'effectivement, cette partie-là soit plaquée au niveau du sol. Lorsqu'on a compris ce principe, et bien toujours sur les 30 secondes ou sur les 45 secondes de travail, je vous propose deux exercices simples, même un troisième, un petit peu plus compliqué. Donc, premier niveau plus simple, un travail ici de ciseaux au niveau des jambes. On pense bien à souffler et à récupérer. Inspiration, expiration. Et effectivement, ce sont les muscles en bas du dos, en bas du ventre, effectivement, qui vont travailler davantage. Deuxième possibilité, petit travail de pédalo. D'accord. Plus on est bas, plus effectivement, ça va travailler fort. Donc, par contre, faites attention à garder le dos bien collé au niveau du sol. Et je vous rajoute un deuxième exercice pour travailler davantage au niveau du bas
du ventre et des abdos. Petit travail ici pour bien monter les genoux au niveau et les pieds au niveau du plafond. Appuyez, vous pouvez vous appuyer avec les mains au niveau du sol. Le travail se fait par un petit travail de contraction. Alors on évite de faire ça, d'accord. Relevez le buste, effectivement, dans ce sens-là, c'est ce qui peut creuser davantage au niveau lombaire, qui peut vous abîmer un petit peu, donc je l'ai fait, mais c'est pas grave. Ensuite, nouvel exercice, travail sur les obliques. Alors, les obliques aussi sont plus ou moins profonds. Plus ils sont profonds, plus on va travailler de manière statique, plus ils sont superficiels, et plus on les travaillera et on les développera sur des mouvements dynamiques. Donc, premier mouvement dynamique, on croise effectivement un pied par-dessus le genou, et on va simplement ici travailler sur une rotation, c'est-à-dire amener l'épaule de manière non excessive, on n'allait pas trop haut, toujours pareil. Et on vient croiser ici au niveau du buste, dans le sens, de manière à amener l'épaule opposée au genou qui est debout. Dans un sens, je fais dans l'autre, effectivement, la jambe gauche est levée, donc c'est l'épaule droite qui vient tourner et amener le bras un petit peu plus loin. Toujours pareil, on peut jouer, on va le faire ensemble, 10 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque sur la dixième pour maintenir un petit peu surprendre. Et les 10 suivantes, on va les effectuer de manière un peu plus explosive et dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, pour travailler les obliques qui sont un petit peu plus profonds, un travail statique, hein, qui va solliciter un petit peu moins du coup le travail sur les viscères. On relève une jambe. Premier exercice, main opposée. Ici, on contracte, on pousse avec la main sur le genou, mais la jambe ne bouge pas. Et vous allez voir que là, on contracte sur une dizaine de secondes. On commence à respirer. On relâche. 10 secondes. On remonte la jambe et on va effectuer la même chose avec le bras du même côté. 3, 4, 5, 8 et 10. Et on relâche. Donc, jambe droite, jambe gauche. Ici, je remonte. Jambe droite levée, bras gauche en opposition. Je pousse et je résiste. Deuxième exercice. Bras du même côté qui met une pression pour écarter le genou, de manière à travailler les obliques de l'autre côté. Bien, on vient de voir quelques exercices fondamentaux un petit peu sur les abdominaux, il y en a encore beaucoup d'autres. D'accord, on pourrait tous les passer en vue, mais ça prendrait beaucoup de temps. L'idée, c'est de comprendre aussi le fonctionnement des abdominaux, le fait de ne pas aller chercher sur des mouvements avec une amplitude trop excessive, pour ne pas appuyer aussi bien sur les lombaires que sur les viscères, et aussi sur le plancher pelvien, ce qui est au fond de votre bassin. Donc soyez vigilants par rapport à ces exercices. Effectivement, en contrepartie, on avait dit que si on travaille les abdominaux, on doit travailler aussi les lombaires. Donc effectivement, l'exercice typique de lombaire, ici, on appuie sur le ventre, bras devant, relever les bras et les jambes vers l'arrière de manière à contracter au niveau des lombaires. Allez, on va faire 10 répétitions. 8, et on va tenir sur les 10 dernières. Et on relâche. Voilà. N'hésitez pas, entre chaque série, à vous étirer. Donc les deux étirements, effectivement, que je vous propose. Un étirement ici, où je viens chercher à faire le dos rond pour retirer au niveau des lombaires, on vient s'asseoir et on vient poser les fesses sur ses talons à la mesure où vous êtes assez souple, comme moi, et on allonge les bras devant. Premier exercice d'étirement. Le second étirement,
Jambe tendue, je bascule ici une jambe par-dessus l'autre. Les deux bras restent au sol. On la met tranquillement en rotation. Le genou ici vers le sol. Dans la jambe et on revient en position de départ. Je remonte de l'autre côté. Je relève un genou. Je bascule le genou gauche sur ma droite tout en maintenant et en essayant de maintenir les deux épaules au sol. Pour revenir à la position de départ, très important, je tends la jambe. Et je reviens en position allongée. Alors pourquoi effectivement je reviens en position allongée? C'est pour éviter de provoquer une contraction dans un sens et dans l'autre. Parce que sinon vous avez un réflexe qui va recontracter le muscle alors que vous venez de l'étirer. Alors, on vient de travailler effectivement sur tout ce qui est muscle superficiel. Hein, il fait un petit peu chaud. Effectivement. Donc c'est ce qui permet de travailler et de dessiner les muscles. Mais au fond, tout au fond, vous avez les muscles profondes qui sont en responsabilité du maintien de la posture. Donc du coup, l'exercice typique que je vous propose, c'est un exercice de gainage. Alors on va faire attention sur la mise en place de l'exercice, toujours pareil, pour maintenir effectivement une posture correcte au niveau du dos. Donc on appuie ici sur les deux mains. On va commencer effectivement avec les deux genoux au sol. Là où c'est important, plutôt que de relever les deux genoux d'un seul coup, effectivement on va rajeunir une jambe et puis après l'autre pour effectivement garder le dos droit. De la même manière, lorsque vous revenez en position et vous arrêtez de faire l'exercice, évitez d'amener les deux genoux en même temps au sol pour éviter de creuser le bas du dos. Donc ici, on appuie sur les mains. Deuxième variante, une variante ici sur les coudes. Je lève un genou et puis l'autre. Et en maintenant le dos droit, je tiens ici pendant 30, 45, voire une minute de travail. Cet exercice, on peut le compléter avec un petit mouvement dynamique de manière à justement solliciter encore plus les muscles profonds qui vont, malgré le mouvement, devoir tenir la posture. Donc on enchaîne sur les deux postures qu'on vient de décrire. Départ sur les coudes, je monte les deux mains et je reviens en position sur les coudes. Et on peut jouer aussi sur l'aspect vitesse. Maintenir la position pendant 10 secondes également. Travailler sur les obliques, c'est possible également en travaillant effectivement sur une planche latérale. Le principe est toujours le même. Je suis en appui sur l'avant-bras plutôt que sur le coude, parce que ça peut faire un petit peu mal. Pose des pieds au sol. Si je peux m'aider les mains pour monter, et je tiens la position ici. Variante avec le bras au-dessus qui donne un petit peu plus d'appui. Et on relâche. Pensez à travailler des deux côtés, à droite et aussi à gauche. Toujours le même principe. 15, 30, 45, voire une minute si vous êtes capable de tenir les différentes postures et les différentes positions. Pensez à bien verrouiller au niveau des abdos, notamment lorsque vous passez de la position relâchée à la position contractée, pour éviter qu'on creuse au niveau du dos. Petite variante. Alors, petite variante également que je vous propose pour travailler aussi bien sur les mouvements de rotation qui vont travailler les obliques, mais aussi un petit peu les muscles profonds. En départ, sur une planche en appui sur les bras, sur les mains, pardon, bras tendus. L'idée, c'est de venir ouvrir aussi au niveau du bras, venir tourner et enchaîner effectivement une rotation en appui sur un seul bras. Là, vous travaillez à la fois les muscles profonds qui maintiennent la colonne et le rachis, mais également les muscles qui vont provoquer la rotation de manière un petit peu plus superficielle. Travaillez effectivement sur la planche avec rotation. Pour terminer, je vous propose un dernier exercice. Petit travail effectivement qui permet de travailler notamment sur les lombaires par rapport à des postures et postures dos droit. Donc l'idée, semi-fléchi ici comme si j'allais venir m'asseoir. Je tiens la posture en veillant à avoir ce dos toujours bien placé. Et avec un objet, je vais travailler tout simplement en déséquilibre. Le mouvement effectivement ici
produit par les bras va créer un déséquilibre qui va obliger en fait la colonne à se tenir droite et à se contracter pour maintenir la position. Donc, le fait d'avoir une glace ou même de vous filmer à regarder le dos droit et aller, c'est important. C'est un retour sur votre position qui est intéressant. Après, on peut modifier aussi effectivement ce mouvement de manière à garder le dos droit et à surprendre un petit peu votre colonne. Voilà, écoutez, si on doit résumer un petit peu les principes, rajoutez de la variété dans ce que vous proposez en termes de sollicitation sur vos muscles, y compris sur vos abdominaux. Vous avez les muscles profonds, effectivement, qui sont plus sollicités lorsque vous êtes sur un travail de gainage, de maintien de posture, donc c'est-à-dire en statique. Par contre, effectivement, dès que vous allez travailler en dynamique, vous allez travailler en contraction sur les muscles qui sont les muscles superficiels. Alors attention, parce qu'effectivement, dès qu'il y a du dynamique, on fait attention à notamment son périnée, à ses lombaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas un dos creusé ou quelque chose qui puisse vous provoquer des douleurs. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine.